Donc 20h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien, la nouvelle offre d'information continue du service public est donc lancée en direct actuellement sur la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à deux pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes, également à la télé. Une aventure hors normes, exceptionnelle déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions. Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et Laurent Vallée à la tête de Lina. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe.